la Ligue Europa de l'UEFA. Et nous connaissons le tout Europa League. Et puis ancien nom le gain c'est C3. Donc c'est non ça qu'on a abrégé la veille. Nous pral parler de ça, nous pral parler de création. Nan ki année Europa League lan li même li té créé, qui équipe qui remporté Europa League la plus fois, qui dernier équipe qui remporté elle, tout ça nous pral gain pour nous yo nan vidéo jodi. Quel que soit côté ou regarder attendez-nous n'a di bonjour ou bien bonsoir et puis bienvenue sur Bladi Infosport pour une nouvelle vidéo. Bladi Infosport nous connaît chaîne ça qui est même là pour informer ou sur plan sportif, nous parler de toute bagaille qui a rapport ensemble avec sport. Si vous appelez rejoindre nous, pas négliger abonner ensemble avec chaîne là, cliquer sur cloche notification, yon façon pour pas rater aucune nouvelle vidéo n'a bien pour nous partager. Moment pause l'arrivée, restez connecté ensemble avec nous, n'a tourner pour plus de détails. Nous retournons après pause là. Merci parce que vous toujours été connecté ensemble avec Bladi Infosport. Jeudi, je nous dis au lien vidéo ça, nous pral parler de Europa League là-dedans. Europa League là qui lui même c'est une compétition football. Qui est Europa League là lui même il était créé. Europa League là était créé dans l'année 1971. Yon l'autre nous kon bali c'est Coupe de l'UEFA et bien sorti 1971 rivé à nos jours là, Europa League là lui même il continue à organiser et dernier Europa League organisé hein, c'était l'année 2020-2022, c'était saison ça. Et bien dernière équipe qui remportait la Ligue est Eintracht Francfort qui lui même c'est un club allemand. Europa League saison 2021-2022 c'est 51e édition Europa League. C'est une compétition catégorie continentale liée, li fait à chaque année et bien Europa League là lui-même qui toujours gagne 32 qualifiés la donne avec 8 équipes qui ont même à jouer barrage donc gagne 58 participations dans Europa League. Nous pral voir dernière équipe qui ont même remporté une Europa League et puis nous pral voir qui équipe qui lui-même remporté Europa League plus fois. Avant tout, on voit qui joue lui-même qui fait plus de goals dans Europa League. Et bien, joueur qui fait plus de goals dans Europa League, là, lui fait 40 goals, lui relève Henrik Larsson. Et puis, joueur qui paraît plus fois dans Europa League, là, lui relève Giuseppe Bergomi. Mais c'est Henrik Larsson. Et puis, joueur qui paraît plus fois dans Europa League, là, lui relève Giuseppe Bergomi. Mais c'est qui paraît 96 fois dans Europa League. Quoi, elle est là, on a le toute dernière équipe qui a même remporté Europa League. On voit ensemble la dernière édition Europa League. En 2010, c'est l'équipe Atlético Madrid là qui a remporté. En 2011, c'est FC Porto qui a remporté. En 2012, Atlético Madrid a remporté encore. En 2013, c'était l'équipe Chelsea. En 2014, FC Séville a remporté. En 2015, encore FC Séville. En 2016, encore FC Séville. Et puis, en 2017, Manchester United. En 2018, Atlético Madrid reprend encore. Et puis Chelsea en 2019 encore. Et puis 2020, FC Séville remporté. 2021, c'était équipe Villarreal là, sous-marin junior même qui était remporté titre. Et puis en 2022 là, dernière équipe là, dernière édition qui remporté là, c'est équipe Eintracht Francfort là qui remporté, qui lui-même c'est un club allemand. Et première fois qu'il remporté, et bien équipe allemande ça qui lui-même fait bel effort pour arriver côté le river là, juste dans la finale. Et puis river remporté finale là face avec équipe Rennes. Les fait un an avec dans ensemble de match là et puis dans tir au but c'est eux même qui t'appral remporter compétition si là donc Eintracht Jean nous dit qui méritait un bon félicitation qui méritait un pile bravo avec club football ça qui lui même remporté dernière édition ou encore 51e édition Europa League saison 2021-2022. Et n'a pas dit merci avec toutes amis sportifs qui t'a regardé acte de Bladi Infosport. Je dis nous t'es content entrer la caillou pour nous te porter baio tout détail sous compétition ça qui relé Europa League là et nous capable dit Ligue Europa tout. Et puis n'a pas dit amis rendez-vous avec nous pour l'autre vidéo, c'est pas pour longtemps. Si c'est pour la première fois ou même moi tomber sous chaîne ça, pas négliger abonner avec elle, une façon pour pas rater aucune nouvelle vidéo n'a bien pour nous partager ensemble avec amis. N'a pas souhaité passez un bon la journée si vous avez regardé nous dans la journée et puis si toutefois vous avez regardé nous dans la nuit, Bladi Infosport a souhaité vous passer un bon la nuit. Bye bye à tous.